Coucou tout le monde. Et coucou Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour les animaux. Aujourd'hui, une vidéo spéciale au Western Camp Resort, qui est un hôtel qui est juste à côté d'Énergie Landia. Allez voir d'ailleurs les vidéos. Par contre là, on va visiter dans cette vidéo l'hôtel. Il est énorme. Là, on va aller voir notre appartement qui se trouve dans une maison comme ça de shérif. Il y a aussi des hébergements qui se situent dans des tipis. D'autres dans des roulottes de cow-boy. On va voir ça dans cette vidéo. On va voir la piscine, on va voir le restaurant, le breakfast, le petit-déj. Donc le mieux, bah, c'est de commencer déjà par la chambre avec un petit sautage de lit. On y va? Ok. Allez. Allez, c'est parti. Hello. Hello. Tiens, tant. Ah. Il est pas celle-là. Ah bah oui, c'est là-haut. Bon, on monte les valises et puis on continue la découverte de cette chambre. Athéna, à toi l'honneur, la chambre 24. Oups, on tire. Oh ! Quoi ? C'est trop beau ! Vas-y, Calice. Oh ! Attends, je sais pas, pas ça, Calice. Attends, vas-y. Mon pack. Tiens. Oh là 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 là. C'est trop beau ! Oh, il a une mezzanine. C'est trop beau. Ah oui, la mezzanine. Vous vous dormez là-haut. Comme ça, vous surveillez si les Indiens attaquent. Et moi, je dors en bas. Il y a beaucoup trop de lits. Aïe. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Western Camp Resort de nous accueillir, de nous inviter dans cet hôtel et dans cette maison du shérif, qui est effectivement une maison familiale. Et il y a de la place, effectivement. Donc vous avez le choix, hein. Soit vous prenez les lits superposés, soit vous dormez en haut, soit vous faites un mix. Ça fait juste un peu beaucoup pour notre nombre 6 lits quand même. Ouais mais c'est bien, tu vas pouvoir choisir. Tu vas dormir ici, dans le lit superposé. Et toi? En bas. Donc vous préférez dormir en bas? Ouais. Et après le sautage de lit, ça va être sur mon lit ça par contre. Ouais. Faut aller doucement en descendant. Oh, je dors pour plier les... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, 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 avec les étagères avec des cordes. J'adore ça. Wow, oh. Le papier toilette, c'est dans des petits trucs comme ça. Oh, la corbeille, la poubelle, elle est en oseille. Génial. Et évidemment, on a vu sur... La mer. La mer de sable. Ah ouais. Non. La mer de voiture. La mer de voiture. Bon, bah voilà, on va s'installer. On va s'installer tranquillement. Ah oui, saute sur le lit. Ça saute pas. Mais en tout cas, on va vous montrer le petit déjeuner. Avec petite cafetière, du café, du thé, des bouteilles d'eau. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Elle m'a piqué la pidou. C'est pas vrai. Si. Ah. Oh. Bien vu. Et quoi dedans? Pourquoi j'ai oublié le minibar ici? En plus, alors, il y a une grande surface juste à côté. En travers de sa roue, il y a une grande surface. Mais vous voulez manger à la maison, enfin à la maison ici, plutôt que d'aller dans le restaurant d'hôtel, c'est possible. Je précise que l'hôtel, comme Energylandia, sont entre Katowice et Cracovie, je cherchais le mot. Voilà, où il y a des aéroports dans les deux villes, à Katowice et à Cracovie. Et les deux aéroports sont à moins d'une heure d'ici. Donc voilà, si même vous venez de Paris ou de France en avion, bah, c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pratique. Vous pouvez venir un week-end, vous éclater dans les parcs d'attraction. C'est giga excellent, Energylandia. Giga excellent. Tu parles si bien. On se balade, on va se diriger vers le restaurant. C'est joli. Il y a un petit tourniquet, il y a des balançoires. Il y a plein de trucs qu'on jouait. C'est vraiment pour toute la famille. Hein. Ouais. Génial. Bon bah Athéna est déjà en train de jouer. On va y jeter un œil. Ah, c'est trop beau, il y a de la musique, c'est une piscine à débordement transparente. Bon, pour filmer, c'est pas l'idéal. On est bien. Un petit totem. Vive les petits totems. Ça y est, on arrive au restaurant. Et là, il y a une aire de jeu pour les enfants, le temps d'attendre le repas. Oh, les tipis dont je vous parlais. Ils sont tout au fond, regardez. Avec les roulottes sur la gauche, là-bas. Ah, c'est marrant, on ira voir ça. Dans le courant de cette vidéo, on va passer 24 heures ensemble dans cet hôtel. Alors, je rappelle qu'on est en Pologne, au parc d'attractions Energylandia, à l'hôtel Western Camp Resort. A few moments later. Et ça y est, on est à la piscine.
Ah là, et puis elle est bonne, hein. Ouais. Non, elle est chaude, hein. La piscine du débordement. T'en mets plein partout. Oh, c'est qui va nettoyer après? Tu vas bien. Et puis demain, petit déj. Coucou. C'est trop rigolo cette piscine transparente. Il est 22h30 passé. Le petit hot dog de l'après-piscine. Bon app Calice. Bon app Athéna. Bon app moi-même. Bon, finalement, Calice et Athéna dorment en haut. Bonne nuit les filles. Faites de beaux rêves. Bon, allez, à demain. Gros bisous. Le lendemain. Eh ben, c'est l'heure du réveil. Bien dormi les filles? Oui. Bon allez, on va aller prendre un bon petit déj pour se réveiller. Ouais. Coucou Athéna, t'es coiffée. Allez, on se dirige vers le restaurant. Je pense que c'est là-bas le petit déj. Et là, il pleuviote un petit peu. Ah, ça y est, on arrive au restaurant. Deux jours cette fois. Et on va aller se sustenter. Ça y est, on entre dans le restaurant. De ce côté-là, Athéna nous présente bien sûr les yaourts, les fruits, frais, réfrigérés, c'est sympa. Des petites céréales. Waouh! Ah, il y a du muffin, il y a du crumble, il y a du 4/4. Et là, il y a la machine à café, la machine à boissons chaudes plutôt. Ok. Et là-bas, il y a buffet salé. On va aller faire un tour au buffet salé. Ouais. Ouais. Et ça sert en cuisine. Puisque de ce côté-là, on n'a pas que du salé, on a aussi du sucré avec des gaufres. On a des tempura de légumes. On a des légumes poêlés, sautés. Oh, des beans! Des beans! On adore ça, les beans. Il y a de la saucisse de Francfort. Il y a de la saucisse de... des knackis, quoi. Il y a du bacon. Des œufs brouillés. Avec du céleri rémoulade. Des sortes de piémontaises, des sortes de macédoine. La salade giro, je sais pas ce que c'est. Du tzatziki, on dirait. Du quoi comme jus? Du framboise cerise. C'est bon ça? Des œufs à la coque? Ouais. Mais pas de tomates. Et là, des petites olives pour Athéna, du fromage pour Calice. Elle n'aime pas ça, vous savez. Et il y a du jambon. Il y a de la salade de mozzarella, concombre avec des cornichons, des salades et tout, voilà. Il y a de quoi faire. Tu veux goûter? Ah ouais, avec plaisir. Non, c'est pas mal, hein. Faites-vous plaisir. Et la première aide au service, c'est Athéna. Avec les débits, rouillés. Bon appétit, Athéna. Miam, Calice. Miam, miam. Et moi aussi, et je me suis servi avec une assiette. Bah, vous voyez, hein. Et puis différentes petites salades, je sais pas trop ce que c'est. On va voir. Alors, Athéna, tu vas me faire une boisson chaude. Je sais pas ce que je vais prendre. En cappuccino, hein. Voilà, c'est du lait chaud. Du café, du chocolat aussi, je sais plus. Avec une assiette? Parfait. Allez, on a fini le petit déj, on a bien mangé. Et là, on passe par un autre chemin, près des rouleaux et des tipis. Tu vois cette petite maison? Ah oui, d'ailleurs. Ah, c'est les toilettes? Bah oui, forcément, parce qu'il n'y a pas de toilettes dans les tipis, dans les roulottes. Waouh, et puis là, c'est les tipis. Je sais pas s'ils ont tous la même taille, a priori. Waouh. Ça, j'avais pas vu. Après le volet, le hand. Les hamacs, là, c'est une sorte de midi badminton. Voilà, vu de la chambre de notre maison de shérif, on aperçoit Energylandia, donc vous avez vu, on est vraiment à côté. Eh bien, c'est parti, on va y aller et on va prendre la navette gratuite qui va de l'hôtel jusqu'au parc. Donc là, il y a une navette gratuite toutes les demi-heures. Pas tes filles? Oui. Allez, c'est parti, on est dans la navette, c'est gratuit à partir de l'hôtel pour aller au parc qui est juste à côté, regardez. Allez, on n'est pas encore rentré, mais on découvre, regardez, ça c'est l'Hyperion, pas d'inversion, mais hyper rapide. Le lendemain. Morning routine en vacances, tu viens de regarder un épisode de One Piece, tranquille. Et là, donc après avoir passé deux jours au parc Energylandia, aller voir les vidéos avec le waterpark, tout ça c'est génial. Et bien là, on va quitter l'hôtel. On vous a montré la piscine, on vous a montré le restaurant avec le petit déj, on vous a montré
La chambre. Et bien maintenant, on va quand même aller visiter, comme promis, le tipi et la roulotte de Cobaroui. Ok, on va demander les clés à la réception, on va aller visiter ça maintenant. J'avais même pas filmé dehors, il y a un petit balcon. Regardez, la réception se trouve là. On était bien. Hein. Là, il y a un petit balcon, quand il fait beau. Allez, on va voir le tipi et la roulotte, c'est par là-bas. Allez, regardez, il y a un champ de tipi là. On va commencer par regarder le tipi. J'ai la clé. Tipi numéro 19. Alors, je pense que c'est celui-ci. Numéro 19. Ah oui, en fait, voilà, il faut que tu ouvres le canal. Tu veux essayer, Athéna? Papa, ça, ça sert à étendre peut-être des affaires. Mais là, si tu les étends, ça sèche pas trop. Oui, bravo! Tatatin! Je suis jamais rentré dans un tipi dans lequel on peut dormir, en tout cas. Vous avez déjà dormi dans un tipi? Alors attention, on découvre! Waouh! C'est stylé! Ah! Il y a même de la lumière. Il y a des petits placards qu'on peut fermer à la clé. C'est sympa. Oh, il y a une petite cafetière, une petite bouillotte, il y a des prises électriques. C'est quand même confort. Ah ouais! C'est joli! Oh, c'est sympa! Heureusement, on est à l'abri! Oui! Ouais. C'est choupi! Avec les petites serviettes. Oh, bien, on ne s'assoit pas sur le lit parce que là, on dort pas ici. C'est vraiment pour vous montrer. Mais, on saute sur les lits! Ouais! On peut s'asseoir là. Parce que bien sûr, on peut manger dans le tipi. On peut se faire commander à manger, se faire livrer à manger. Ils font restaurant, il n'y a pas de problème. Donc, on peut rester ici tout le temps. Bon, maintenant, on va aller voir la. La roulotte du cow-boy. Ouais. Trop sympa, hein. Allez, on sort. On va faire un tour aux toilettes. Oh, on sera vraiment au Far West, quoi. Sauf qu'on est au Far East. On est dans l'Est lointain, en Pologne. L'Est de l'Europe. Toilettes. Voilà, on fait un petit tour aux toilettes. On n'est pas au Far West, on est au Far West. Et on rentre au saloon. Eh, bonjour patron, je voudrais un WC s'il vous plaît. Ah oui d'accord, il y a même la douche et tout. Ah ouais, sympa. C'est clean hein? Ouais. Et c'est pareil, il y a des douches, bon je vais pas filmer toutes les toilettes, hein. C'est des toilettes mais c'est clean hein, c'est propre. Allez maintenant on va voir la roulotte du cowboy. Yeah. Où est passé mon cheval? Je l'ai mangé. T'as fait un tartare? Oui. Oh bah non, faut pas manger le cheval. Alors, Calice, c'est toi qui as la clé? Ouais. La clé de la roulotte, du cowboy wagon. Le restaurant loin où on a pris nos petits déjeuners. Et c'est les roulottes, là, celle du milieu, là. Oh. Je pense qu'on rentre de ce côté-là. Et regardez, là, il y a des deuxièmes toilettes. Western Camp, évidemment, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez dormir dans un endroit fun. Et vraiment, juste à côté du parc Energylandia, ben, je vous mets le lien en description. Et voici, pareil, il y a des séchoirs pour étendre les serviettes après la piscine. Numéro vachement 32. Utile quand il pleut, mais bon. Alors, petit cadenas pareil. Je sais pas si on peut l'allumer à la lanterne le soir. Ah bah si, c'est une ampoule, ça va pouvoir s'allumer, c'est vraiment sympa ça. Regardez tous les wagons. Ah, ça y est, Calice a réussi. Oh. Allez, on va découvrir. Oh, c'est marrant. C'est un petit peu plus, c'est un petit peu le niveau au-dessus par rapport au tipi, au niveau organisation. Parce que là, il y a des lits carrément superposés. Mais pareil, toujours la bouilloire, les petites bouteilles d'eau offertes, la petite lampe, je sais pas comment elle s'allume. Ah là! Là! Ouais! Avec, là, il y a quatre couchages pareils, superposés. Voilà, on peut mettre les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Et là, il y a une petite armoire pour ranger ses vêtements. Voilà, on peut mettre les valises en dessous, tac. Très bien. Ouais. Petit miroir aussi. Ouais, c'est pas mal, hein. J'étais jamais non plus rentré dans une roulotte de cow-boy. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. La maison du shérif, le tipi, comme pour faire avec les Indiens, le Far West, ou la roulotte de cow-boy qui ne roule pas, je précise. Ouais. Ah, c'est fun. Génial. Vous préférez quoi, vous? Pour le fun. Le cow-boy. Non, le truc du shérif. La maison du shérif. Ouais. Ah, confort tout de suite. À toi, Athéna. La
maison du shérif. Maison du shérif. Vous avez déjà dormi dans un tipi, remarque. Mais moi, j'aimerais bien dormir dans la roulotte. J'aime bien la roulotte. Ouais. Et là, c'est quoi? Un petit coffre. Tu veux l'ouvrir, Calice? Non. Donc là, on peut ranger aussi des affaires personnelles, par contre. S'il pleut, faut mettre toutes les affaires qui sont pas... qui se craignent pas l'eau. La maison du shérif, c'est vrai que c'est top. Mais entre un tipi ou une roulotte, vous préférez quoi? La maison du shérif. La roulotte. La roulotte, et toi, Athéna? La roulotte. La roulotte aussi. Ouais, mais j'aime bien la roulotte aussi. Mais je crois que maintenant, il est temps de quitter ce magnifique hôtel. Merci au Western Camp Resort de nous avoir accueillis pendant 2 nuits. Et quand on reviendra à Energylandia, parce qu'on reviendra, hein, c'est vraiment top, c'est vraiment le top 5 des parcs d'attractions qu'on a fait jusqu'à présent, hein, dans le monde, eh bien, je pense qu'on reviendra ici au Western Camp Resort. On est bien. C'est vous qui voyez, hein, si vous voulez venir dans un petit hôtel sympa juste à côté avec la navette gratuite pour aller à Energylandia, eh bien, nous, on vous conseille cet hôtel, on reviendra ici. On se fait plein de gros bisous. On va aller à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. Il pleut. Et on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves.